Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois de plus en direct sur Congo Live Télévision. Vous le constatez, nous sommes avec Augustin Kapila, il est le communicateur de l'IDP Sonore qui font. Augustin, bonjour et bonne arrivée. Bonjour chers amis journalistes, bonjour aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ces pareils moments. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Nous sommes le lundi 20 juin 2022. Nous vous recevons pour analyser quelques questions d'actualité, entre autres l'arrivée du président Tshisekedi en Nairobi. C'est dans le cadre de la suite des consultations, des assises initiées par le président Uhuru Kenyatta, le président Kenya, dans le cadre bien sûr de chercher la paix dans la sous-région. Et il faut dire, préciser que le président Tshisekedi d'ailleurs va se prononcer, il aura un discours aujourd'hui devant ses homologues, c'est par rapport à l'agression rwandaise à la République démocratique du Congo. Mais monsieur Kapila, vous dites, parce qu'est-ce que vous attendez surtout du discours du président Tshisekedi? Merci beaucoup pour la question. En premier lieu, je commence d'abord par féliciter et remercier le président Kenya, Uhuru Kenyatta, qui montre sa bonne volonté, sa bonne foi pour que la paix puisse avoir lieu ici dans cette région des Grands Lacs, avec tout ce que nous connaissons, les affres des guerres qui menacent nos populations. Je crois qu'avec la médiation ou la direction du président kenyan, je crois à mon humble avis que les choses pourront, n'est-ce pas, aller dans des bons sens et dans une bonne direction. Parce que la paix, nous voulons que la paix revienne et nous ne voulons pas que les Congolais soient toujours victimes de tout ce qui se passe dans cette région. Par rapport à votre question, le président de la République aujourd'hui, il est déjà à Nairobi, là où les assises doivent se tenir. Il sera devant ses homologues, présidents des pays. Il y a déjà l'arrivée déjà du président ougandais qui vient d'arriver aussi. Hein. Bien sûr. Donc, cet ensemble-là des présidents de la région, cette réunion-là, ces assises-là, pourront, n'est-ce pas, donner un espoir pour la paix ici dans cette région. Et nous osons croire que cette fois ici, le président Paul Kagame sera de la partie. Parce que la dernière fois, il n'a pas été là-bas. Il avait seulement envoyé son ministre des Affaires étrangères. Lui n'a pas été. Alors cette fois ici, nous osons croire, lui doit être présent. Parce que le chef de l'État congolais, il va tenir un discours devant ses homologues. Nous espérons à ce que ces discours soient vraiment un discours frappant, un discours dur devant les présidents et aussi devant Paul Kagame. Qu'il sache que la RDC, ce n'est pas un pays ou encore un champ de bataille où les gens veulent venir ici, c'est tirailler ça et là, tuer les Congolais. Je crois à mon humble avis que le chef de l'État, en tout cas, j'espère qu'il n'aura pas un discours terre à terre, un discours à pouvoir amadouer, n'est-ce pas, Paul Kagame, amadouer, n'est-ce pas, les Rwandais, ou encore un discours d'apaisement. Je sais que, comme lui-même avait déjà accepté, il a dit au public que cette agression vient du Rwanda, donc les Rwandais nous agressent. Donc, il ne peut plus tenir un discours cherchant à cajoler Paul Kagame, cherchant à cajoler, n'est-ce pas, nos agresseurs. Donc, il est temps que les chefs de l'État puissent avoir un discours dur pour montrer à Paul Kagame que les Congolais ne sont pas d'accord avec sa mauvaise politique qu'il est en train de mener, n'est-ce pas, dans cette région. Parce que Paul Kagame ne veut pas que la paix revienne ici. Nous savons tout ce qui se passe. Il y a eu des accords
que lui, il avait signé avec Joseph Kabila, l'ancien régime, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Donc ces accords-là persistent et existent. Donc il a des agendas cachés par rapport à tous ces accords-là. Si on peut y revenir encore plus loin, on peut encore parler des accords de l'Émirat. Depuis l'entrée de la FDEL, il y a eu des accords secrets très mauvais qui peuvent, n'est-ce pas, mettre même l'Est de la République dans une situation incontrôlable. Mais c'est quoi concrètement ces accords que nous, Congolais, nous ignorons souvent? Bon, moi aussi, on ne parle que des accords. Est-ce que ce ne sont pas des mauvais accords, Monsieur Kabila? Parce qu'on sait qu'il y a toujours eu ce qu'on appelle continuité des affaires de l'État. Pourquoi le président Tshisekedi dit lui, pour peut-être au nom de la paix, pourquoi il n'arrive pas, ou bien pourquoi il ne peut pas exécuter ces accords comme... parce qu'on les voit un chef de l'État qui a la volonté de ramener la paix et la sécurité dans cette partie est du pays. Pourquoi il ne manifeste pas aussi dans ce sens-là cette volonté de ramener la paix, peut-être à respecter, permettez-moi que je le dise comme ça, ou bien à répondre favorablement à ces accords, si réellement ce sont des accords qui peuvent être exécutés au nom de la paix? Bon, j'aimerais en premier lieu dire que, vous savez, les gens disent des choses, ils parlent beaucoup, disant que non, le chef de l'État avait signé des accords secrets avec Paul Kagame. C'est ce que les gens disent aujourd'hui. Mais les accords du chef de l'État avec le Rwanda étant un pays voisin, ce n'étaient pas des accords qui peuvent nuire ou déstabiliser l'Est du pays. C'était des accords bilatéraux comme tout un pays voisin peut signer avec son pays voisin aussi. Donc les accords du chef de l'État avait signé avec le Rwanda, c'était des accords d'une manière économique, des échanges économiques. Parce que nous sommes des pays frontaliers, ces accords-là peuvent aider, n'est-ce pas, non seulement les citoyens congolais, mais aussi les citoyens rwandais qui font, n'est-ce pas, des trafics ça et là. Ça, c'était bon, c'était pas mauvais quand même. Mais les accords que l'ancien régime avait signé avec le Rwanda, avec Paul Kagame, c'était vraiment des accords monstrueux, des accords qui peuvent, n'est-ce pas, nuire l'existence de l'Est du pays et même aussi faire basculer l'économie de notre pays dans un mauvais sens. Aujourd'hui, il faut savoir une chose. Il était très évident que après le départ de Joseph Kabila Kabange, la guerre serait déclarée entre le Congo et le Rwanda. On peut dire que c'est ce qui arrive aujourd'hui. On peut dire, voilà, c'est ça même la réalité aujourd'hui. Parce que vous savez que l'ancien régime avait vraiment ouvert les couloirs, il avait donné tout au Rwanda. Donc le Rwanda a bénéficié beaucoup de l'Est ici, le plus que même nous qui sommes des Congolais. Et donc aujourd'hui, l'arrivée du chef de l'État à la tête du pays, Tshisekedi Félix Antoine, les choses ont changé, les choses ont bougé. Donc la RDC d'aujourd'hui n'est plus la même, n'est plus, n'est-ce pas, la même RDC que l'ancien régime avait dirigé. Donc aujourd'hui, le Rwanda se trouve dans une mauvaise position aujourd'hui, même sur les plans internationaux. Et nous, Congolais, nous disons seulement au président de la République de tenir un langage fort devant Paul Kagame. Si c'est seulement si il sera aujourd'hui dans ces assises-là. Donc, c'est dire que ces accords-là, que vous avez parlé de la continuité de l'État, oui, c'est bien. Mais si ces accords-là que l'ancien régime avait signé avec Paul Kagame et le Rwanda à l'époque, depuis que l'AFDL est entré au pays, depuis 2006 jusqu'à même 2012, il y a eu des accords secrets que Kabila avait signé avec Paul Kagame. Si le chef de l'État aujourd'hui, actuel chef de l'État, quand il a vu que ces accords-là ne sont pas des bons accords, mais
il ne peut pas les exécuter quand même. Parce que ce sont des accords qui peuvent nuire à la République. Ce sont des accords qui peuvent plonger, n'est-ce pas, notre pays dans un trou profond. Raison pour laquelle le président de la République a réfléchi maintes fois, il a compris ces accords, ce sont des accords monstrueux, ce sont des accords, n'est-ce pas, qui peuvent, n'est-ce pas, nuire à notre économie. Il ne peut que résilier ces accords-là. D'accord. Voilà. Alors, M. Capella, nous sommes, en tout cas, le lundi, nous avons appris qu'il y a, d'ailleurs, à ce moment, il y a des affrontements qui sont en cours entre les FARDC et les terroristes du M23. Dans les Rutshuru, précisément dans les Jomba, c'est, en tout cas, c'est tout proche, ça, il faut le dire. C'est pas loin. Mais qu'est-ce qui explique que, parce que selon nos sources, c'est encore une fois de plus les M23 qui auraient attaqué encore les positions des FARDC. Qu'est-ce qui explique encore que les M23 attaquent, bombardent les positions des FARDC pendant qu'il y a des assises-là où les chefs d'État, donc là je parle de la communauté EAC, sont en train de vouloir chercher une solution par rapport à ce qui se passe et qu'aujourd'hui ils choisissent, donc ces terroristes, attaquer les FARDC. Vous savez, les attaques du, disons, de militaires rwandais, parce que l'M23 n'existe pratiquement plus, c'est les Rwandais qui nous agressent, et donc le gouvernement rwandais veut, n'est-ce pas, faire il veut se faire valoir, parce que ils ont, et c'est son qui occupe aujourd'hui la cité de Bounagana. Ouais. Donc lorsqu'ils attaquent les positions de nos forces armées, c'est tout simplement pour donner un signal fort au gouvernement congolais. C'est une question et, qu'on peut dire pour lancer pression. Bien sûr, et aussi aux assises qui doivent se tenir aujourd'hui à Nairobi. Parce que la, donc tous les pays qui se retrouvent aujourd'hui à Nairobi, dont les pays de EAC, c'est pour mettre en place une force commune qui doit nécessairement traquer toutes les forces négatives. Et qui sera composée dans les mains des militaires rwandais. Qui sera composée de beaucoup de militaires. Il y aura aussi des Rwandais. On a suivi le président Kenya qui a proposé cela, mais Kinshasa en tout cas rejetait la présence, l'avenir aussi des militaires rwandais. Comment vous trouvez cela? Je vais là. Donc, et donc, l'M23, pas M23, donc l'M23 soutenu par les Rwandais est en train de mettre une certaine pression pour qu'il soit aussi considéré dans ses assises. Parce que le gouvernement congolais avait pris une décision forte de ne plus parler avec les gens d'M23. Parce qu'ils sont considérés comme un mouvement terroriste. Et on ne peut pas parler avec les terroristes. La raison pour laquelle ils mettent une certaine pression pour qu'ils soient considérés. Voilà pourquoi ils essayent d'attaquer nos positions pour qu'ils puissent progresser. Parce qu'ils pensent que s'ils prennent Goma, à ce moment-là, ils auront quand même une bonne position pour que les gens puissent négocier avec eux. Mais, à mon humble avis, les assises d'aujourd'hui à Nairobi, je crois que le président de la République et même notre gouvernement, parce que comme ils sont dans la ligne de mettre en place une force commune dans la région pour traquer toutes les forces négatives, n'est-ce pas, tous les groupes armés qui pullulent ça et là, les Congolais ont pris une décision. Donc ce n'est plus à se cacher. Comme c'est le Rwanda qui nous agresse, les Rwandais ne veulent pas que la paix revienne dans cette région. Nous avons beaucoup de pays qui nous entourent. Pourquoi seulement les Rwandais nous attaquent? Pourquoi pas les Burundis? Pourquoi pas l'Ouganda? Pourquoi pas l'Angola. La Tanzanie, l'Angola par exemple, la Zambie, Congo-Brasa? Nous sommes des pays frontaliers. Mais pourquoi ces attaques-là ne viennent que des Rwandais? Donc la raison est simple, que le régime de Paul Kagame ne veut pas que la paix revienne dans cette région. Et il faut arriver aussi à changer le régime de Kigali, que ça devienne vraiment le régime démocratique. Parce que lorsqu'on laisse un dictateur comme ça pendant plusieurs années, il s'en fout de tout ce que vous dites. Il s'en fout, n'est-ce pas, de tout ce que vous pouvez lui donner comme conseil pour que la paix revienne dans cette région. Et cette force commune-là qui viendra traquer tous les groupes armés, il sera composé
des militaires qui viendront de partout de ces pays-là. Mais la chose est que les Congolais ne veulent plus du Rwanda. Donc, le président de la République doit écouter ce que le peuple congolais est en train de dire. Donc, amener les militaires rwandais, n'est-ce pas, dans cette force commune-là, en tout cas, ça sera une façon de cracher, n'est-ce pas, sur la mémoire des Congolais qui sont morts, et ça sera aussi une moquerie vis-à-vis des Congolais. Ça ne sera pas possible que les Rwandais soient aussi parmi cette force commune. Parce que c'est lui qui nous agresse, c'est lui qui attaque, et c'est lui qui veut déstabiliser l'est du pays. C'est lui qui ne veut pas que la paix revienne. Il serait vraiment aberrant de voir les militaires rwandais se constituer dans cette force commune. D'accord. Ça, nous ne voulons pas. Et le chef de l'État congolais doit être à l'écoute, doit être vigilant, écouter les peuples congolais. Ça sera une moquerie si seulement si les Rwandais fera partie de cette force commune. D'accord. Parce que même si Uhuru Kenyatta peut proposer, parce qu'il y aura une discussion par rapport à ça, par rapport aux unités rwandais, est-ce que les Rwandais pourra aussi faire partie de cette force commune? Nous disons non, nous Congolais, nous refusons. Et le président de la République, même le gouvernement, en tout cas, il ne peut qu'écouter ce que le peuple congolais dit. Ça serait une erreur, ça serait une bêtise si les Rwandais aussi est dans cette force commune, parce que ça sera une confusion totale. D'accord, alors, comme ça fait partie aussi de l'actualité et comme nous tendons également vers la fête de cet entretien, nous avons en tout cas appris l'arrivée d'une délégation congolaise à Bruxelles, en Belgique. C'est pour le rapatriement en tout cas de la date de l'ancien premier ministre congolais, Emery Patrice Lumumba. Une forte mobilisation en Europe par rapport à cette cérémonie. Une cérémonie d'ailleurs s'est tenue ce matin en Belgique. Au-delà que c'est notre héros qu'on veut ramener au pays, mais cette actualité elle est commentée dans tous les sens, sur la toile, dans les réseaux sociaux. Pour certains, le président, disons le gouvernement congolais, aurait dépensé des millions de dollars et de l'argent qui va en tout cas encore peser encore une fois de plus sur les pays. Vous personnellement, en tant que Congolais, également de l'île de paix, comment vous trouvez cela? Bon, d'abord, c'est une cérémonie historique parce que l'Emery Patrice Lumumba n'était pas n'importe qui. L'Emery Patrice Lumumba, c'est l'icône de ce pays. C'est la figure emblématique de la politique de notre République. C'est un héros national. C'est un modèle également pour l'Afrique. Un modèle pour l'Afrique parce que le nom de Lumumba, aujourd'hui, c'est un nom considéré dans le monde entier. Non seulement en Afrique, mais partout dans le monde. Et si le gouvernement a accepté la demande de la Belgique, parce que la Belgique va pouvoir restituer les restes de Patrice Emery Lumumba, c'est quand même une cérémonie que les Congolais ne peuvent qu'applaudir et accepter. Parce que c'est une histoire. Une histoire que nous ne pouvons pas donc oublier. Et le gouvernement congolais qui a dépêché une délégation à Bruxelles pour cette cérémonie, à la tête de cette délégation, notre premier ministre Sama Lokonde, je crois que c'est une bonne idée et c'est une manière de reconstruire encore les valeurs ou encore l'amour entre le Congo et la Belgique. Face à votre question, parce que les gens aussi, les Congolais aussi, nous parlons aussi beaucoup, nous exagérons avec des histoires. Bon, une délégation, par exemple, qui s'est déplacée de Kinshasa jusqu'à Bruxelles. Mais plus de 5 ministres, M. Kabila. Mais écoutez, encore un premier ministre. C'est une grande cérémonie. Il ne peut que y avoir une délégation venant du Congo. Ce n'est pas un péché. Composé de 5 ministres? De 5 ministres, moi je dirais d'ailleurs ce peu. Oh. Ils peuvent même être à 10. Parce que. Tout ça, c'est au frais du gouvernement. Sûr, c'est une délégation congolaise du gouvernement congolais. Ils ne peuvent qu'être nombrés là-bas pour, n'est-ce pas, participer à cette cérémonie. Mm-hmm.
La question fondamentale, pourquoi les Congolais ne font que s'exprimer lorsque il y a une délégation qui fait un déplacement à l'étranger? Parce que c'est un système qui consomme beaucoup. Hein. Ce n'est pas question de consommer beaucoup. Parce que lorsque les gens se déplacent, mais on ne peut que toucher, n'est-ce pas, à l'argent dans les trésors publics. Mais les gens ne peuvent pas quand même se déplacer comme ça, sans argent, sans moyens. C'est quand même un gouvernement, ce sont les membres du gouvernement. Mais vous pensez que ils peuvent se déplacer, vaille comme ça, sans toucher l'argent quelque part? Ça ne peut qu'être ça. Mais l'exagération de certains Congolais, surtout ceux qui se disent opposants, ce sont ceux-là, n'est-ce pas, qui montent au créneau chaque jour pour dire voilà, on est en train de gaspiller, n'est-ce pas, l'argent de l'État. Je ne pense pas. Aucune personne n'a aujourd'hui de preuve de l'argent que le gouvernement a débloqué. Aucune personne n'a de preuve. Mais tous ces montants que les gens sont en train de citer, ça vient d'où? Qui a vraiment des preuves? Je pense que dans ce stade aujourd'hui, nous ne pouvons plus accepter des petites politiques margoulines, des politiques de la fourberie où les gens ne savent que dire de n'importe quoi. Mm-hmm. Pas des preuves, pas quoi, mais les gens ne savent que dire des choses qui ne peuvent pas ne pas faire avancer notre République. Merci beaucoup, messieurs Kapila. Nous sommes en tout cas pratiquement à la fin de cet entretien. En tout cas, le sujet principal, c'était par rapport à ces assises qui se tiennent en tout cas à Nairobi, où on signale l'arrivée depuis hier soir du président Tshisekedi. Ce matin, nous avons appris aussi l'arrivée du président ougandais, M. Yoweri Museveni. Nous sommes également revenus sur ce qui se passe dans les Rutshuru. Nous appelons les affrontements, des violents combats en tout cas dans les Rutshuru ce matin, lundi. Mais nos sources sur place se renseignent que les FARDC tiennent toujours et ils ne gèrent en tout cas que de défendre et mettre hors d'état de nuire tous ces ennemis qui mettent mal à l'aise les peuples congolais. Merci Kapila, je rappelle que vous êtes de l'IDPS. Merci d'avoir répondu à nos quelques questions. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup pour cette opportunité. Ouais. Et je profiterai aussi en disant un petit mot surtout au chef de l'État congolais qui sera aujourd'hui dans les assises de Nairobi. Hein. Le chef de l'État doit être cohérent dans son discours. Donc il est temps qu'il puisse dire à Kagame de cesser ce qu'il fait, de cesser de porter son soutien, n'est-ce pas, au M23, parce que ça ne sert à rien. Ce que nous voulons, c'est la paix dans cette région. Et s'il est hypocrite, je crois que le chef de l'État prendra d'autres mesures. Pourquoi pas déclarer la guerre ouverte contre les Rwandais? Merci beaucoup. Nous retenons ça comme votre conclusion. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardés. En descendant les marches de son avion présidentiel à l'aéroport international Jomo Kenyatta, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est fait une idée claire de ce qu'il va dire à ses pairs de la communauté de l'Afrique de l'Est qui se réunissent ce lundi au troisième conclave exclusivement consacré à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. La dégradation de la situation au Nord Kivu à la suite de l'agression avérée des troupes rwandaises qui opèrent sous la bannière du M23 à Bunagana a poussé les chefs d'État de la communauté à accélérer la mise en place de la force régionale. Ce dimanche 19 juin, les chefs d'état-major généraux de sept pays de la East African Community ont échangé sur la composition de cette force, son commandement et tous les autres aspects opérationnels. Ce lundi, le conclave débutera justement par la présentation de ces rapports des commandants des armées aux chefs d'État, puis celle du volet politique avec la consultation des groupes armés menée par les professeurs Serge Tshibangu, le mandataire spécial du chef de l'État. Devant ses pairs de l'Ouganda, du Kenya, du Rwanda, du Burundi, du Sud-Soudan et de la Tanzanie, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va dénoncer le double jeu de certains voisins et surtout exiger les retraits immédiats des troupes étrangères du sol congolais. Ce troisième conclave de Nairobi est d'un enjeu important sur la suite des événements en République démocratique du Congo, mais en attendant, les forces armées de la RDC s'activent au front pour repousser les troupes terroristes et leurs soutiens régionaux.